Aujourd'hui, j'ai fait une sortie de vélo. Avec, voilà, j'ai ressorti mon vieux Nakamura. Non, je déconne. Voici mon nouveau vélo. Amis du jour, bonjour. Et bien voici mon nouveau vélo. Première sortie officielle aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de route déjà avec. Hein, on voit pas grand-chose là. J'ai fait un petit peu de route avec, hein, histoire de me foutre en jambes dessus. Alors, le voilà, il est beau, regardez ça. Je parle pas de lui. Hein. Voilà, Radon Slide Trail. Tu veux dire bonjour? Bonjour Jean-Luc. Alors voilà mon vélo, mes amis. Hop, en contre-jour, c'est pas bien. Voilà. Radon Slide Trail 8.0. Cadre en carbone 20 pouces. Hop, hop. Tu veux me la tenir? Allez, viens me la tenir. Non, c'est bon. Ça va le faire. Merci, c'est gentil. Ouais. Je t'ai mis deux doigts. Attends. Juste un doigt. Attention, bike porn. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? RockShox Pike Select Plus en fourche de 150 mm de débattement. Des freins, après, je suis pas dans l'ordre, je m'en fous. Frein Magura MT5, 4 pistons. C'est beau, hein? RockShox Deluxe, je sais pas quoi. Deluxe Select Plus, je sais pas quoi. 140 mm de débattement, cadre en carbone. Comment on a l'arrière, comment ça s'appelle déjà? Triangle. Triangle arrière en alu. En frein, le disque avant c'est du 200 mm, 203 mm. L'arrière c'est du 180. Transmission SRAM GX Eagle. Et le pédalier X1 SRAM. Voilà. C'est du vitesse, c'est combien? 12 vitesses en 10. 10 à l'avant, je crois, 10 à l'avant, 30 à l'avant, et à l'arrière 10-50. Ici, et les ah oui, me dit-il, t'as eu, regarde, arrête des pneus et les jantes, ouh! Les pneus, c'est du Maxxis, mignon DH, DHR à l'arrière et DHF à l'avant, forcément, front et rear, 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 rear. Et les suie-roues DT Suisse 1900, M1900, on verra ce que ça donne, moi j'y connais pas grand-chose, et là, un truc qui brille, ouh! On voit pas, bah si, si c'est bon, je vois pas, c'est où? C'est où? C'est là. Des valves tubeless Makoff. Et une selle télescopique, là, la SDG Radar, 130 mm de débattement. Ça va être un pur bonheur, parce que quand on voit d'où je viens, avec mon Nakamura, je sais pas quoi, là, cacaboudin, ça va me changer. Donc voilà, première sortie officielle aujourd'hui. Voilà, première sortie officielle. Je vois ce que ça donne. Très fort, le Val Revermont. On va tenter des trucs qu'on connaît bien. On a un coup de bol parce qu'aujourd'hui il fait vraiment super beau. Il y a du soleil, il n'y a pas de nana, il y a lui là. Ouais. Il donne pas envie. Enfin, bref, alors ça donne. Et puis au fur et à mesure de la sortie, bah, je donnerai mes impressions sur le vélo. Ça peut être que bien par rapport à ce que j'avais avant. Voilà, allez, à plus tard sur le vélo. Ça passe tout seul en fait. Yo! Donc, ah mais putain, j'ai pas le réflexe de monter ou descendre de la selle, c'est un truc de fou. Mais ça relance tout bien, c'est bien. Enfin, ça relance. Façon de dire, parce que je force pas. Allez, première fois que ça bouge un peu sur ce vélo. Ah c'est cool, on est monté un petit peu là. Et en fait, ça... Voilà. Caillou. Et en fait, eh ben ça va super bien. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir un beau vélo. J'ai pas l'habitude de garder au sol aussi pareil. Il est plus haut. Là, c'est bien, bien gras. Ça fait que pleuvoir en ce moment. Juste aujourd'hui, il y a du soleil. Donc au sol, c'est dégueulasse. C'est de la bouillasse. Et les cailloux sont bien humides. Oh. Ah merde! Ah merde! Ah. Attends, attends! Allez, je tente le coup! Ici? C'est vrai? T'es tombé là? Ouais, il y avait moins d'eau! Hein. Ouais. J'ai pensé que j'ai merdé, j'étais seul au monde! L'OVNI, il a fait une bonne. Oh, on va prendre la marque de l'OVNI, il a rippé! Vas-y, explique! L'OVNI, il a rippé!
Putain, je me suis déjà plongé, là. Ah, c'est film, en plus, en fait. Ah, ça doit être drôle. Ça fait haut, hein, quand même. Hein. Ça fait plouf. Oh. Neustern ? Ouais, ben, je vous... quand je serai en confiance, là, non. J'ai peur. Non, j'ai pas peur, mais... c'est l'adhérence, je suis pas... c'est un peu beaucoup mouillé, même. Eh, ça monte plutôt bien, quand même. Putain. J'ai pas, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas le réflexe de redescendre un peu les rapports. Au Naka, avec le Naka, j'étais toujours... à mouliner, puis dès que je descendais, c'est mort quoi. Et là, en fait, faut que je descende. J'ai l'impression que c'est plus facile. Ouais, possible, rendement meilleur. Ouais. Et voilà, les deux roues en l'air, ça, ça fait plaisir. Ah, ça glisse là. Ouais, j'ose pas accélérer. En tout cas, ça m'envoie beaucoup moins balader à droite à gauche que sur Nakamura. Et ça, ça fait quand même plaisir. Alors, on vient de rejoindre des engoulures, ça montait bien et puis ça continue un peu parce que là, on se dirige col de la justice, col des justices. Pour finir, pas ici, hein. Là, la cabatane, la descente de la cabatane. Et ensuite, après, enchaîner les traces forestières de Lucien Cornillon. Cornillon. Elle est Lulu. Moi, j'appelle la descente des forestiers, moi, je l'appelle. Donc là, pareil, je vais voir les sensations que j'ai sur la montée. C'est une montée que je connais relativement bien. Je sais qu'à un moment, sur la fin, ça commence à piquer, enfin, avec la caméra. On va voir avec celui-là ce que ça donne. On arrive au premier virage en haut de la montée au col des justices. Et je viens de voir que ça faisait un bout de temps que je n'étais pas passé là. Ils ont tout enlevé. Là, tout le bois là. C'est tout enlevé. Avant, on était en sous-bois, il y avait un chemin qui nous amène directement au col. Oh ! Et du coup, par terre, c'est dégueulasse là. Et on arrive au col. Et donc, quelle sensation ? C'est que je suis... plutôt bien arrivé à monter, comme on en parlait à l'instant. La preuve, c'est que j'arrive encore à peu près à parler dans l'effort, donc c'est pas non plus intense. Donc satisfait. Faut dire que ça fait 3 mois que j'ai pas touché un vélo. Voilà. Pour une première sortie, c'est plutôt positif. Reste à voir quand les jambes sont là et puis. Et voilà. Allez, le col des justices. Putain, mais tout ratiboisé quoi. Oh là là. Avant c'était beau, maintenant c'est pas beau. Alors là c'est super glissant. Et puis ça monte d'un coup. Hop là. Merde, j'ai patiné de l'arrière. Youhou, allez grimpe. Allez pousse Maurice. Allez. Ah, c'est bon, j'ai du grip. Ah, bah non j'en ai plus, je suis parti où il fallait pas. Allez, je lâche rien, j'ai pas mis le pied. Pose pas le pied, mémé! Ah. Accélère! C'est beau! Là. Pas le temps de faire du tourisme! On s'arrêtera à l'arbre tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, dans 100 mètres, là, 200 mètres. Ah. C'est beau là. Les petits pas bien là. Regardez-moi ça, ce paysage. Yo. Wouh. J'adore le vélo quand c'est comme ça. Ah! Wow! J'ai failli passer sur l'avant là!
Voilà l'arbre. Youpi. Oh, j'ai craqué. Ah. Eh ben, je suis bien surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit plus difficile que ça. J'en suis à chaque fois avec le Naka. Pas tout le temps, non. Et on est bien là. Ah, je vais montrer la caméra. Je vais pas tomber. Hein. Là, la ligne qu'on voit là. Attends, je vais me décaler. Ah, la ligne qu'on voit en face là. C'est Judge Dead. Un single qui est bien balèze en face. Ici là, c'est une dalle qui est bien en dévers. Et en général, c'est super glissant. Après, ça part dans les bois et c'est amusant aussi. C'est un peu comme ça. Voilà, après 12 km. Et dégueulasse. El Radoun. Eh, vous avez vu aussi? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Hop là. On va dire que je me la pète. Mais oui, je me la pète. Voilà. Et donc, là-bas où c'était dégagé, c'est dans le creux, là. L'école des justices, c'était là-bas. Après, on est monté, là. On est monté, et puis on a fait toute la crête, là. C'est beau aussi. C'est vachement bien. Cet arbre-là, je l'adore. Je sais pas pourquoi, j'aime bien être ici. Et là, on va attaquer la descente de la cavatane. Donc, je vais voir ce que vaut le vélo là-dedans. Comme le pilote ne vaut pas grand-chose, je vais y aller cool, hein. Je connais pas le vélo, en plus. Normalement ça va bien se passer, mais je vais pas aller bien fort. De toute façon c'est pas mon genre. Regardez ça, on est pas bien. Voilà, ça glisse, hein, fais gaffe. Les cailloux ils sont trempés. On va essorer les cailloux. Ah non, ben, c'est pas là que je vais faire fou. Ah oui, oui, oui. Ouh. Voilà, ça. Avec les troncs coupés au milieu là. Là faut pas s'arrêter parce que si on s'arrête, voilà. Je n'arrête pas. Ouh. Oh putain. Allez voilà, je me suis arrêté. Ah je... Hey. Oh le couillon. J'ai oublié que j'avais une selle télescopique. Voilà, bah, ça va mieux. C'est trempé. Ah bah non, c'est pas aujourd'hui qu'on fera des temps là-dessus. Oh le con, j'ai oublié que j'avais une selle télescopique. Ah la branche qui m'a chopé le guidon. Ah oui, le cintre est plus large aussi, c'est un 760. Voilà. Non. Ah, je suis quand même pas rassuré quand même. C'est pas évident en fait quand on a arrêté un bout de temps. Ah merde, ça avance là. Ah, normalement c'est plus soft. Ah, c'est plus soft. Ah, il y a des racines quand même. Ah. Oh là. Ah, j'ai fait l'erreur. Ça va, j'ai pas mis le pied. Et là, c'est la fin. On sait jamais s'il y a des piétons qui arrivent là. Ouh. Le bouillasse par terre, j'aime pas bien. Là, ça encaisse. C'est bon? J'ai entendu. Oh, fais gaffe là! Piège à con! Je me suis fait avoir! Oh la rigole! J'avais oublié celle-là. Enfin, la première fois que je passe ça, j'avais oublié. Ah, ça a raviné. Oh, c'était chaud. Single des terres cossales. Je suis hésitant, du coup je freine et du coup je passe mal. Voilà. Alors que là, si on lâche les freins, voilà, c'est bon. Hein. Ça y va, mais faut pas hésiter, mais là... Il y a des verres, il y a 2 mètres là, à descendre. Et j'aurais pas dû m'arrêter. Voilà. Et ce qui est con, c'est qu'en vidéo, à chaque fois que je vois ici les vidéos de ce passage, que ce soit les miennes ou celles des autres, on se rend pas compte, comme là,
Là, en fait, ce qui m'inquiète, c'est ça descend, c'est balèze. Hein. Mais c'est surtout que c'est super gras, quoi. Oh. Voilà. Et là, sur le sec, ça passe franchement bien. Et là, comme la roue arrière, elle est partie en crabe. Faut que je la ferme. Non, bah, je vous explique, il y a mes sensations. Un vélo tout neuf, hein. Et une camelle. Voilà. Bon, attends, je vais me pousser. J'ai failli me mettre au tas. Je me suis mis au tas. Moi ici, le vélo il s'est couché, je suis passé par dessus. Il y a une racine dans l'air, comme tu l'as vu. Ouais. Bah, j'ai voulu l'éviter, sinon c'est à gauche. Ouais, puis la roue part. C'est super glissant, c'est super glissant. Ah bah ouais, est-ce que t'es sûr de rien en fait, t'hésites de partout. Donc là-bas, tout là-haut, le petit arbre qu'on voit, je sais pas si je suis bien aligné par là. Eh ben on était là-haut tout à l'heure avec les vélos. Crête de la Cabatane. Derrière, il y a descente. Ça me fait le tour du bordel là. Bon allez, la partie où ça va être compliqué. Parce que la visu va pas être terrible. Et oh, les ronds sur les côtés. Quand je vais vous monter les bras à la fin là. Vous allez voir que j'ai ramassé, là. Je le sens, à chaque fois que ça fouette, les épines elles accrochent. Alors au niveau comportement du vélo, ça va. Ça se touche la nouille, ta gueule toi, putain il me déconcentre. Il me fout la pression, mais va te faire foutre, t'as qu'à passer devant si tu veux pas assez vite. Voilà, oh, bah, c'est compliqué là. Ah déjà que quand il y a du monde, quand il y a du passage, c'est un petit peu plus dégagé. Ah, ça fouette, vache. Voilà. Oh putain. Ah, la branche, elle m'a accroché. Ah, ça me... Toi aussi. Regarde. Voilà, quand je disais que ça accroche. Voilà. Ça pique. On va voir si je touche la nouille, là. Non, je vais pas lui mettre la pression parce que je n'allais pas pouvoir le rattraper. Donc... Oui, comportement du vélo, ça va. Pilote qui est pas rassuré, la preuve. Encore une connerie, et voilà. Ah, je suis encore mis dans les ronces. Oh là là, ça arrache. Ça arrache les bras. Le bruit de la roue libre par rapport au Nakamura, là, ça a des grillons. Alors, ce qui est bien quand on regarde loin devant, c'est que, effectivement, c'est mieux pour guider. Par contre, on voit pas les ronces. On a l'impression qu'on a plus tendance à couper un peu droit, quoi, tirer droit pour. Voilà. Et finalement, on arrache toutes les ronces à droite, à gauche. Une barrière par là, non, des cailloux. Ah oui, effectivement. Alors, on se touche la nouille. Bon, bah mes bras, voilà, c'est mieux pour les faits. Voilà, super. Et quand là, j'ai cassé la caméra, là, youfou, c'est la meilleure. J'ai cassé Nakamura. Nakamura, j'ai cassé Nakamura. Bon alors là je sais pas si la caméra est bien placée parce que comme j'ai cassé le support tout à l'heure, là je la tiens un petit peu pour essayer de cadrer un peu vers le haut parce que sinon voilà, c'est ce qu'on va voir, hein, le guidon, ouais super. Enfin bref, donc là on est dans la montée de Cusia, mais ça va, je sens que le vélo quand même il y a un bon potentiel, c'est mes jambes qui répondent pas malheureusement. Donc voilà, il va falloir que je repose un petit peu le physique, mais je suis bien satisfait du vélo. Alors je sais pas si c'est parce que wow, c'est un vélo tout neuf et forcément ça joue, ça va tout de suite mieux, tout ça, enfin bref. Un petit peu euphorique, mais non c'est quand même cool. Par contre je suis vraiment pas habitué, là je passe d'un semi-rigide 27 pouces bien usé à 29 pouces tout suspendu, tout neuf, pas mal du tout. Et
tout à l'heure dans les descentes, j'étais pas super rassuré. Déjà, ça fait depuis le temps que ça pleut, c'est grade partout, ça glisse, il y a de la racine, il y a du caillou, c'est pas super rassurant. Ça plus un vélo tout neuf, voilà, fais pas le malin, ça sert à rien. Mais je sens qu'il y a, bon, il y a du potentiel, c'est sûr. Maintenant, il faut que je bosse la confiance et le physique pour le tenir. J'ai pas une maîtrise à 100% du vélo, loin de là. Mais bon, ouais, c'est bien quand même. Allez, faut pas que je discute trop parce que c'est, ça va être chiant. Ça doit l'être déjà. Ah merde, on a dépassé les 700 mètres de dénivelé positif. On a oublié les 666. Gloire à Satan!